Beyblade, Beyblade, hyper vitesse. Résiste à cette ultime bataille. Affronte la force du métal. Sans peur et sans doute, faut gagner tout que coûte. Beyblade, Beyblade, hyper vitesse. Beyblade, Beyblade, hyper vitesse. Déchaîne l'énergie. Rampage et tornade. Faut que ta toupie ne reste pas en rade. Voici, voici dans le dernier épisode de Beyblade, après sa défaite contre Chao Jin, Masamune décide d'aller s'entraîner dans la nature sauvage. Il y rencontre un vieil homme. Masamune essaye de l'impressionner, mais ce qui intéresse le vieillard, c'est de savoir si Masamune peut contrôler sa puissance et rompre une simple feuille. Grâce à la méditation, Masamune arrive à concentrer son énergie et relève le défi du vieil homme. Masamune, à nouveau plein de confiance en lui, arrive au stadium juste à temps pour son match du premier tour contre Chao Jin. Chao Jin entre dans l'arène, très sûr de lui, et bénéficiant visiblement de la faveur du public. Le match commence et très vite, Chao Jin prend l'avantage. Masamune se souvient alors des conseils du vieil homme et concentre son énergie au lieu de la disperser en vaines attaques. Le duel opposant le Striker de Masamune et le Virgo de Chao Jin est un combat sans merci, mais c'est Striker qui finit par l'emporter. Masamune est véritablement fou de joie, mais son triomphe est un peu gâché par la foule qui continue à acclamer le séduisant Chao Jin malgré sa défaite. Masamune a gagné le combat, mais pas le cœur des spectateurs. Cette fois, c'est bien fini. Masamune l'a emporté sur Chao Jin. Là, j'ai cassé la baraque. Vive Masamune! T'as fait un combat sensationnel. Le combat du premier tour du championnat du monde de Beyblade pour le groupe A a rendu son verdict. Et c'est à la Gan-Gan Galaxy que revient la première victoire. Nos Wong Wu Zong arriveront-ils à reprendre l'avantage? Oui. Vive les Wong Wu Zong! L'excitation est à son comble tandis que le second match se prépare. Oui. Surtout, ne partez pas, nous serons bientôt de retour. Chi-Yun en veut un mort, c'est impressionnant. C'est parce qu'il a vu Chao Jin devenir sérieux. Chao Jin n'avait encore jamais été sérieux auparavant. Et il ne nous avait jamais affrontés, ni moi, ni Chi-Yun. C'est en regardant le combat entre Chao Jin et Masamune que Chi-Yun a compris une chose. Si Chao Jin a combattu de toutes ses forces et a été vaincu, alors Chi-Yun risque de perdre lui aussi. Durant le prochain combat, Chi-Yun ne va pas seulement affronter son adversaire Tsubasa. Chi-Yun veut aussi que son duel contre Tsubasa prouve à tous que sa puissance est supérieure à celle de Chao Jin. Le combat entre Chao Jin et Masamune a aussi enflammé l'esprit de la toupie de Chi-Yun. En considérant ses alliés comme des rivaux, on est amené à travailler encore plus dur et à aller encore plus loin. Et c'est excellent pour les Wong Wu Zong. Nous ne pouvons plus nous permettre de perdre. Durant le prochain combat, nous ne chercherons qu'une chose, une seule, la victoire. Je sais déjà tout ça. Et je veux que durant le prochain match, tu me laisses prendre seule toutes les décisions. Je jure de combattre comme je ne l'ai encore jamais fait auparavant. Chi-Yun? Tant que le combat d'aujourd'hui ne sera pas fini, tant que l'Acerta tournera encore, je ne veux entendre aucune plainte. C'est moi qui tiendrai le flambeau pour le duel final. Nous n'avons pas le droit de perdre ce tournoi. Les 4000 ans d'histoire du temple de Belik sont en jeu. Pour nous, il n'y a qu'une seule place possible, la première. Moi, Chi-Yun, je fais le serment de gagner. Là, je t'avoue que tu m'as chié, Masamune. T'as fait un combat génial. Ouais, toi, vu que tu es le bleeder numéro 1, t'as intérêt à faire carrément fumer le sol de l'arène. Alors, c'est quoi ce fameux entraînement que tu as fait? Je faisais exploser des rochers et un vieux type m'a appris à déchirer des feuilles. C'était cool, je leur tapais dessus comme un singe. Écoutez, on mange ou on discute, d'accord? Est-ce que quelqu'un a vu Tsubasa? À mon avis, il doit être quelque part en train de se concentrer et de rassembler son énergie. Il doit bientôt livrer un combat très important.
Pour être champion, ce qu'il faut, c'est manger exactement comme moi. Mais Tsubasa a intérêt à se pointer, sinon Jinga va tout avaler. Non mais tu t'es regardé, toi, le gouffre. Tu m'as appelé comment, là? Le gouffre sans fond. T'en as mangé combien? Tsubasa n'est pas comme Jingi et Masamune. Je suis sûr qu'il gère sans problème. Le mieux à faire, à mon avis, c'est de le laisser tranquille. Égalité. C'est à moi. Non, à moi. Incroyable. Alors, ce sera Chiyun, mon adversaire. Il est différent de Chaochin. Sa spécialité, ce sont les attaques basées sur cette forme d'art martial chinois qu'il a perfectionnée pendant son entraînement très strict au temple de Belin. Les ailes sur l'axe de rotation de Thermal Acerta augmentent sa puissance d'attaque. Elle représente une menace. Pourtant, je devrais le vaincre facilement. Du moment que je reste calme et centré sur moi-même, je peux gagner contre lui. Rien ne m'en empêche. Du moment que je reste calme. Non, ce n'est pas fini! Je ne perdrai pas! C'est juste mon imagination. Aucun problème. Même s'il n'est pas ici, je peux y arriver. Avec mon Hurt Eagle. Et je me dresserai à la face du monde! Attention, ça va démarrer. Vous êtes prêts, les amis? Oh non, ça va commencer! Enfonce! Le moment est venu. Nous comptons tous sur toi, Chiyun. Je suis prêt. Je ne peux pas perdre comme l'a fait Chaochin. Je pousserai Tsubasa à donner le meilleur de lui-même, mais je serai vainqueur. Au final, ce qui fait la différence entre un gagnant et un perdant, c'est la détermination, la volonté de gagner. Du moment qu'on garde ce genre d'attitude durant toute la compétition, ça ne peut que bien se passer. Et cette fois, c'est parti! Voici le deuxième match du premier tour du groupe A pour le championnat du monde! Et le premier à entrer est notre Chiyun des Wanguzong! Entre-lui donc, Chiyun! Donne la victoire aux Wanguzong! Je dois gagner. C'est de moi que dépend le destin des Wanguzong. Et ma détermination ne faiblira pas. Elle sera plus forte que la sienne. Il n'y a qu'une seule place, la première. En face de lui, son adversaire japonais, le représentant de la Gangan Galaxy, Tsubasa. Tu peux y arriver, Tsubasa. Donne le meilleur de toi-même. Vas-y, Tsubasa. Si tu gagnes, l'affaire est dans le sac. Qui veut voir Jinga combattre? Ne perds pas ce combat, ok? En fait, qu'est-ce qui est arrivé à Kyoya? Quoi? Au Japon, tu as été vaincu par Kyoya, non? Alors pourquoi est-ce toi le représentant du Japon? Pourquoi dois-je te combattre? Je ne comprends pas. Tu es déçu que ce soit moi ton adversaire? Non, pas vraiment. Seulement... Seulement quoi? Si tu ne te bats pas mieux que durant ta rencontre avec Kyoya, tu n'arriveras jamais à me vaincre. C'est quand tu voudras! Vas-y, Léon! Me battre mieux que durant la rencontre avec Kyoya? Calme-toi. Il ne s'agit que des sarcasmes d'un adversaire qui n'a plus aucun avenir si jamais il perd. Je ne le laisserai pas me troubler. Je suis qui je suis. Je vais gagner en utilisant mon propre style de combat. Alors il comprendra la nature de mon vrai pouvoir. Je montrerai à ce type que je suis un blader qui n'abandonne jamais. Chiyun! Tsubasa! Alors, la Gangan Galaxy décidera-t-elle de l'issue des combats avec deux victoires à la suite? Ou notre Wanguzong reprendra-t-elle l'avantage? C'est ce qu'on va voir! 3, 2, 1... Hyper vitesse! Hyper vitesse! Attention! Mur de fer solide! Je m'y attendais. Il se met tout de suite en position de défense. Qu'est-ce que Chiyun fabrique? Il reste planté là comme un poireau en plein milieu du stadium. T'as pas envie d'essayer de gagner? Très fort, il restreint les mouvements de son adversaire. Tant que Thermal Acerta ne lance pas d'attaque,
Eagle ne peut rien faire d'autre que de cercler en attendant le moment de foncer. Tsubasa a intérêt à être prudent. Eagle! Hey, c'est vrai qu'en restant au centre sans bouger, la Certa utilise un minimum d'énergie, non? Il peut voir de quel endroit viendra l'attaque de son adversaire. Il sera donc capable de réagir rapidement quoi qu'il arrive. En gros, ça veut dire qu'il essaye de faire en sorte qu'Eagle perde un maximum d'énergie. Oui, et Tsubasa doit sûrement s'en être déjà aperçu. Chiyun maintient une défense solide comme le roc et Eagle survole en vain le mur d'acier protecteur de la Certa. Il ressemble plutôt à un moineau désemparé. On dirait un pauvre oisillon ignorant qui affronte le grand lézard sans se rendre compte qu'il commet une grave erreur. Il a perfectionné ses défenses au temple de Bellin. Elle est la base de notre technique. Oui. C'est quoi ton problème? Tu vas attaquer ou quoi? Évite de faire ce genre de souhait. Si tu ne bouges pas, alors c'est moi qui vais t'obliger à bouger. Eagle, à toi! Cette fois, ça y est, Tsubasa vient de lancer sa première attaque. Maintenant, Eagle, frappe des ailes d'acier. Trop tard. Maintenant, percez du pont sauvage. Oh, non, arrête. Ne bouge plus, Chiyun. Ça, c'est le moment que j'attendais. À toi, attaque spéciale. Eagle, attaque en piqué. Oui, j'ai compris. Les attaques d'Eagle n'étaient qu'une préparation pour son mouvement spécial. Ses serres puissantes tentent véritablement de saisir la Certa. Génial. Vas-y, Tsubasa. Et ça, c'est exactement ce que moi j'attendais. Oh. Ah, à toi, la Certa. Ça vous raconte de la tempête. Partout les dragons. L'attaque spéciale de notre Chiyun a peut-être suffi à lui donner la victoire. Presque. Eagle est encore en mouvement, mais il n'en a plus pour longtemps. Chiyun est décidément un plaideur incroyable. Il est fantastique. Il avait anticipé l'attaque spéciale de Tsubasa. Avec Chiyun, il faut s'attendre au meilleur du Beyblade. C'est pas pour rien qu'il est l'un des meilleurs plaideurs du temple de Bellin. Très beau travail, Chiyun. Mais comment a-t-il été capable de prévoir ça? Ouais, c'est pas trop mal. Ah, j'avais prévu de l'attirer dans un piège, mais ça s'est complètement retourné contre moi. Je suis un plaideur du temple de Bellin. Avoir deux ou trois mouvements d'avance, c'est normal pour nous. C'est particulièrement facile de prévoir les attaques d'un type comme toi, qui se bat comme dans les livres. Quoi? Écoute ce que je vais te dire. Tant que tu te battras avec cette rigidité qui est la tienne, tu ne seras jamais capable de gagner contre moi. Tu rigoles? Tu te crois capable de me dire comment moi je dois me battre? C'est comme ça que j'ai gagné de nombreux combats. Vas-y, Eagle! Riposte inévitable! Abandonne! Tu n'as pas encore compris que ça allait finir de la même façon! Tu ne seras jamais capable de me vaincre! Ah! Eagle s'est une fois de plus envolé haut dans le ciel! Ok, Eagle, coup de griffe acéré! Yes! Fantastique! Désolé, ce genre d'attaque n'a aucun effet sur moi! Je comprends pas! Pourquoi aucune de mes attaques ne semble être capable d'atteindre sa toupie? Bravo! On dirait bien que nous allons gagner la partie! Du calme, n'en sois pas si sûr. Hein? Tant que l'ennemi n'a pas mis les deux genoux à terre, il ne faut jamais jurer de rien. Chiyun! Lance à nouveau le mur d'acier solide! Retire-toi! Laisse Eagle perdre sa puissance! La Certa force! Quoi? Oh! Alors, tu n'as pas encore compris? Tu te retiens tellement, tu es en train de préparer toi-même ta défaite! Quand vas-tu faire preuve de passion et essayer de gagner ce duel? Oh! Tsubasa! Le Tsubasa que je veux combattre, c'est le plaideur qui s'est battu de toute son âme contre Kyoya! Et puis non, je veux que tu t'opposes à moi avec encore plus de force! Au moins 10 fois plus! Alors seulement j'aurai du plaisir à te battre! Oh! Waouh, vous
avez vu cette attaque spectaculaire? Très différente de la précédente. Aucune technique cette fois. Une attaque agressive pure et simple. Attaque! C'est inimaginable! Une volonté de vaincre inébranlable! Notre Chiyun se dirige tout droit vers la victoire! Oui! 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 Waouh! Alors ça, ça vaut la peine d'être vu. Chiyun, qu'est-ce que tu fais? Ça ne lui ressemble pas du tout, cette façon de combattre. Je sais. Pour devenir un meilleur blader, il doit commencer à voir ses alliés comme des rivaux et garder la tête froide, même dans le stress d'un combat. Cependant, pour l'instant, la seule chose vraiment importante pour nous, c'est de s'assurer la victoire. Essaie de te calmer, Chiyun! Je dois gagner! Il faut que je gagne tout de suite! C'est mal parti! Le combat tourne clairement à notre désavantage! Allez, Tsubasa! Qu'est-ce qui t'arrive? C'est tout ce dont tu es capable? Pourquoi ne peux-tu pas retrouver la puissance dont tu as fait preuve en combattant contre Kyoya? Dois-je comprendre que tu l'as perdu tout à fait? Arrête de parler! Arrête de parler! Je ne veux plus entendre tes moqueries! Je veux que tu te taises! Tsubasa! Accroche-toi! Ça va très mal. S'il continue à encaisser des attaques comme ça, Eagle est fichu! Oh! Ça suffit, Tsubasa! On a déjà remporté une victoire! Ne va pas trop loin! Ça suffit? Tu as bien dit, ça suffit? Tu as été vaincu par Kyoya, non? C'est vrai! J'ai été vaincu par Kyoya! Tant que tu te battras avec cette rigidité qui est la tienne, tu ne seras jamais capable de gagner contre moi! Je ne peux pas! Je ne peux pas gagner! Si tu ne te bats pas mieux que durant ta rencontre avec Kyoya, tu n'arriveras jamais à me vaincre! Je ne peux pas gagner! Si! Je dois gagner! Jamais tu ne gagneras! Mais je ne peux pas perdre! C'est moi, Chiyun, qui serai vainqueur! Non! Arrête! Je t'en prie! Ah! Je veux gagner! Je gagnerai! Tsubasa! Ça devient intéressant. Voilà enfin le Tsubasa avec qui j'espérais me battre. Maintenant, ma victoire aura vraiment de la valeur. Attaque spéciale! Sacre ouragan de la tempête! Ah! Écarte-toi de mon chemin! Voilà la juste punition pour tes... des sarcasmes arrogants! C'est quoi ça? Mais qu'est-ce qui se passe? Eagle vient soudain de retrouver un second souffle! Il repousse violemment l'Acerta contre le mur! L'Acerta! Te laisse pas faire! Abandonne! Ton L'Acerta va bientôt devoir faire ses adieux à jamais! Mais qu'est-ce qui t'arrive, Tsubasa? Oh, il est devenu fou ou quoi? Non! Va-t'en de là, Chiyun! Oh, Chiyun! Mais qu'est-ce qui se passe? Fais quelque chose! Pas question! Je ne perdrai pas ce combat! La défaite est absolument impossible! Au final, c'est la volonté de gagner qui fait la différence! Aussi longtemps que je garde intacte ma détermination, je peux y arriver! Il est hors de question de perdre! Disparais! Disparais! Et que le monde oublie jusqu'à ton nom! À qui est cette toupie? C'est Eagle qui est sorti du stadium! C'est absolument incroyable! Dans sa folie destructrice, Eagle s'est jeté lui-même hors du stadium! Et le gagnant, hein? C'est à peine si j'arrive à le dire! L'Acerta! L'Acerta tourne encore! À peine, mais elle tourne! J'ai gagné? Oui, il a
gagné. Après un effrayant combat d'une violence extrême, la victoire revient... au Wanguzong Chiyun. Chiyun, victoire, 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 victoire. Nous avons quand même fini par l'emporter. Oui. Ah, c'est ce qui s'appelle une victoire serrée. Oh, le pauvre. Tsubasa. 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 Tsubasa, mon ami. Est-ce que ça va, Tsubasa? Tsubasa, je t'en prie. Tsubasa, on est là pour toi. Les combats du premier tour du championnat du monde de Beyblade pour le groupe A, opposant les Wanguzong et la Gangan Galaxy, se termine avec un partout. Mais le sensationnel exploit que Chiyun a accompli aujourd'hui vaut à lui seul au moins 10 victoires. Les Wanguzong continueront-ils sur leur lancée et remporteront-ils aussi le prochain duel? Oh yeah!